Mais Cerisier, c'est Rosalys. Salut! Bienvenue sur cette chaîne Rosalys Gaming, ma chaîne secondaire dédiée à ma passion pour le gaming. On se retrouve aujourd'hui pour l'événement tant attendu, l'événement carnaval de Animal Crossing New Horizons. C'est parti pour un nouveau let's play, allons-y! Donc on a vu dans la petite intro justement que tous les habitants étaient costumés. En gros, j'avais pas besoin de leur donner les vêtements et les coiffes de carnaval, quoi, au préalable. Du coup, nous aussi, on va s'habiller en mode carnaval. Et si j'ai suffisamment la forme, alors là, j'ai mis une écharpe, j'ai pris des pastilles au cas où, parce que j'avais vraiment pas la forme ce matin pour Pocket Camp. Et si j'ai la forme, j'ai prévu, vous l'avez peut-être vu sur la chaîne, de faire ce let's play d'abord, et ensuite un autre live qui est porte ouverte pour mes membres en fan club. Donc préparez vos switches, préparez vos costumes. Si j'ai la forme, j'ouvre les portes juste après ça. Marie aussi costumée! Bonjour à tous, chers résidents d'Allier. En ce lundi 15 février 2021, il est actuellement 14h13 sur notre belle Rosajima. Carnaval a lieu aujourd'hui et durera toute la journée. Je veux que tout le monde sorte et danse. C'est tout pour le moment, permettez-moi de vous souhaiter à tous une merveilleuse journée. Donc ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire l'événement carnaval tranquillement d'abord toute seule. On prendra le temps qu'il faudra pour faire ce let's play. Donc faire tout l'événement, à commencer par se changer. Oh, il y a des confettis qui tombent tout le temps. Alors à commencer donc par se changer, attraper les plumes, essayer de tout faire. Si je termine en avance, parce que j'ai préparé le prochain live dans une heure. Donc ce live-ci a lieu à 14h GMT plus 1 heure française. Le live suivant pour les portes ouvertes est programmé pour 15h. Enfin, j'ai programmé ça pour 15h. Si je termine avant ce live-là, j'enchaînerai tout de suite avec le suivant. Et si ça me prend un peu plus de temps, bah, ne vous inquiétez pas, on enchaînera une fois que j'aurai terminé. Voilà le programme du jour. J'espère qu'on va bien s'amuser. Est-ce que vous avez déjà fait l'événement ou est-ce que vous me regardez d'abord faire et vous allez le faire après? Voire même, est-ce que vous le faites en même temps que moi là? Alors, attends. Où est mon costume? Aujourd'hui, j'aimerais m'habiller avec le costume carnaval rouge. Bah, attends, je l'ai passé? Je voudrais mettre la robe. Où est la robe? Où est la robe? Ne me dis pas que... Normalement, je les ai en double. Oh! À moins que... Attends. Au moins les coiffes, je pense que je les ai là. Les coiffes de carnaval. Eh? Attends, j'ai passé mon temps à préparer. Eh? À moins que... Oh. Bon, au minimum, ce qu'il faut, c'est que j'ai les poches vides, je pense. Alors, avoir des poches vides. Ah! Oh. Tiens, j'avais des choses installées. Avoir un filet. Moi, j'ai utilisé le filet doré que vous m'aviez envoyé. Attends, je pense que je vais me mettre toute nue. Parce qu'en fait, je pense que vous l'avez peut-être deviné. Mais je pense avoir installé tous mes vêtements carnaval dans mon espace carnaval. Et je crois bien que j'ai offert tout ce que j'avais en double à mes habitants. Donc on va faire ça. Je vais me promener toute nue dans toute l'île pour aller m'habiller. Et puis on l'a vu tout à l'heure, mon inventaire est plein. Bon. Ne faites pas ça chez vous, hein. J'ai même pas de chaussures. Oh, oh, personne ne me voit. J'arrive les amis, on va faire la fête. Donc voilà les vêtements que je vais porter. Alors ça, la robe, ah, c'est une coiffe de cette couleur là. Et j'aurais dû prévoir des chaussures. Non. Bon, je vais peut-être au moins reposer la coiffe qui n'était pas de la bonne couleur, que j'avais en trop. Classé. Ok, donc aujourd'hui j'ai prévu de me mettre en rouge, je trouve que c'est plus représentatif tout compte fait. Robe d'été carnaval portée. Bon voilà, en même temps ça fait autochtone de rester en pieds nus.
Alors, j'ai vu que dans les poches, j'avais des objets à placer. Alors, tant qu'à faire, on va les placer. Tambour de carnaval, placé. Oh! Le tambour rose. Lampe, ballon, placé. Oh! Alors, attends, ça, faut que je le place en arrière. Je ne peux pas passer! Mon objectif aujourd'hui, c'est d'obtenir des plumes multicolores, un maximum. Ok, ensuite, qu'est-ce que j'ai à poser? Guirlande de carnaval, placée. Pourquoi tu te mets dans ce sens-là? Voilà. À côté de tes copains. C'est vraiment la déco la plus jolie, je trouve. Les motifs et les couleurs les plus jolies. Et stand de carnaval placé. Ouah! Nous avons la collection en trois couleurs. Tada! Manque juste quelques objets dans la couleur rose. Il manque la lampe là, comme ça. Et le stand. Ah, et puis ça aussi. Le lance-plume. Voilà, déjà on a une belle déco de carnaval. Et on est en costume du carnaval. On a les émotes, enfin, les mimiques qu'on avait obtenues au début du mois. Oh, une plume! Rouge comme moi. Oh, ça va, elle disparaît pas tout de suite. Tu as attrapé une plume rouge, la couleur de la passion, c'est exaltant. Oh, c'est trop mignon. Du coup, on voit tout le temps des confettis qui tombent. C'est la journée confettis et des plumes. Oh, j'ai cru. Ah! C'était une libellule, j'ai cru que c'était une plume multicolore. Voilà. Une plume violette. De quel oiseau peut-elle bien venir? Ok, bon, maintenant qu'on est habillé, qu'on a même attrapé quelques plumes, on va aller voir nos amis sur la place. Didi vient de me lancer des confettis. Hé. On va parler à ce nouvel invité, Roberto. Attention! Ah! La voix! Comment je vais... Elle a une voix bizarre. Il a une voix bizarre. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Tu sais, on dirait que c'est une voix comme ça, là. Tes hanches, elles ne dansent pas, elles ne se trémoussent pas, tes hanches n'écoutent pas la musique. Roberto ne peut accepter ça. Quand rien ne bouge, Roberto est triste, et Roberto refuse d'être triste. Râle Roberto, bouge avec Roberto, virevolte avec Roberto, vive le carnaval. Viva! Les rythmes de carnaval se sont emparés de toi et heureusement Roberto est là pour te guider. Alors, ouvre ton esprit à l'esprit de carnaval. La fête qui, tous les ans, célèbre la musique et la danse. Ah, Roberto, constate que les coutumes de carnaval ne te sont pas étrangères. Bah oui, je suis déjà habillé en carnaval, c'est rien de fou. Roberto, approuve ton costume. Ah! Ça va, ça lui perturbe pas que je sois pieds nus. Dans ce cas, ne perdons pas de temps. Viens, viens, entre dans la danse. Roberto te montre l'exemple, danse. Ah, Roberto devrait commencer par chanter un peu avant de danser. Et il se désigne tout le temps par son nom. Te chanter les règles de carnaval. Alors, tu vois des plumes voltiger dans les airs? Elles sont presque aussi belles que Roberto, presque. Et tout le monde est autour de nous. Roberto les veut, Roberto doit les avoir. Surtout, surtout, les plus belles de toutes, les plumes irisées. Les plumes d'autres couleurs? Elles sont pour Roberto. Mais si tu as des plumes irisées, reviens au Foxtrot. Roberto a besoin de 3 plumes d'une même couleur et de 10 000 plumes irisées. 10 000, tu rigoles? Roberto abuse peut-être un peu. Apporte-lui simplement autant de plumes irisées que tu peux. Roberto te garantit une récompense. Ah, Roberto a presque oublié. La fameuse plume irisée peut être fabriquée par un être au cœur pur. J'ai le cœur pur!
J'aime bien dans Pokémon Go, à chaque fois, je disais que tu ne tombes sur un shiny que si tu as le cœur pur. Accepte ce plan de bricolage de Roberto. Laisse-toi guider par la danse. Un plan de bricolage. Oh, il a des chaussures. Et par rapport aux autres animaux qui n'ont pas de chaussures, ils ont juste leurs petits pieds. Lui, il a des chaussures. Roberto va te révéler un secret. Tu peux utiliser les plumes de carnaval comme bon te semble. Roberto ne t'en voudra pas. Mais si tu procures ces plumes à Roberto, Roberto t'offrira des cadeaux. Comment il danse? Alors, attends. Donc, il m'a donné quelque chose. Plume irisée, à prendre. Ah, d'accord. Super, tu sais à présent fabriquer une plume irisée. C'est-à-dire? C'est un plan de bricolage. Oh, plume irisée, il faut une plume rouge, une plume bleue, une plume verte, une plume violette. Toutes les couleurs, quoi. Quatre couleurs, quatre plumes pour avoir une plume irisée. Donc, moi, je pense que mon objectif, ça va être de prendre un maximum de plumes de chaque couleur pour avoir des plumes irisées. Mais avant ça, est-ce qu'on se fait une petite photo, les amis? Je reste pieds nus. C'est un peu le truc inattendu. Les amis, vous vous mettez tous par là-bas? Si vous faites ça, on va faire la photo par là. Les amis, vous venez? Oui, oui. Photo? On fait un viva? Tu. Viva! Ah ouais, mais... Ce serait bien que vous me regardiez. Tu. Viva! Hé, hey, tu me passes devant! Viva! Oh là là! Et dis donc, elle est pas facile à faire la photo, là. Tu sais, Nadia, tu caches tout. Et donc, tout à l'heure, j'aimerais qu'on fasse des photos ensemble, comme ça. Bon, je crois que vous serez peut-être plus disciplinés que les animaux, là. Ah, c'est pas mal! Oh, non! Faut avoir un timing de fou! Revenez! Tout à l'heure, vous étiez tous par là! Photo! J'ai pas réussi à faire une seule belle photo. Oh, ils s'en fichent maintenant. Bon, c'est pas grave. On va avancer dans la journée. Et je vais peut-être mettre des chaussures quand même. Hein. Oh, une plume bleue. Ah, oh, tu me suis? C'est que tu veux me parler? Rosalie. Frangine, c'est carnaval. The journée qui fait bouger toutes les cellules de notre corps. La danse et les paillettes, c'est mes grandes passions. Cette fête n'existe que pour m'honorer, Ronalis. D'accord. Oups. Ça va, ces plumes, elles disparaissent pas trop, hein. Parce que, tu sais, par rapport à d'autres événements... Ah bah tiens, par exemple, par rapport à un flocon de neige... Attends, c'est un peu bizarre. Il fait chaud, c'est le carnaval, mais il y a encore des flocons de neige. Le flocon de neige, par exemple, si tu le rates, une ou deux fois, il finit par disparaître. Tandis que là, la plume, j'ai l'impression qu'elle reste. Alors, du coup, on peut dire que l'événement ressemble un peu à... Bah, tout ça, aux feuilles rouges, aux sakuras, aux flocons de neige. Sauf que tout ce que je viens de citer, c'est sur une longue période quand même, c'est sur une longue saison. Tandis que là, faut récolter les plumes en une seule journée. Et même, je dirais, en une heure. Moi, je voudrais que mon let's play ne dure que une heure. Combien de plumes je vais réussir à avoir en une heure? Sachant que j'ai perdu un peu de temps à essayer de prendre des photos et à me changer aussi. Et que je crois bien que j'aimerais mettre des chaussures. Ah tiens, idée, peut-être qu'en boutique, ils ont des vêtements appropriés. Bah tiens, il y a la robe. J'aurais pu revenir l'acheter, en vrai. Oh, oh, Layette a le petit costume. Enfin, à la coiffe. Oh, et du coup, en vente, ce sont... Surtout les objets carnaval. Est-ce que vous proposez des chaussures appropriées ou alors je vais en prendre dans mon inventaire? Ou alors, vous considérez qu'il faut être pieds nus? C'est pas du tout des chaussures pour carnaval. Bon, je crois que je vais regarder chez moi. Hein. Mais attends, puisqu'on a constaté que Layette portait la coiffe carnaval, peut-être sous pourrait-il que Melly et Melo aussi. Mes nouvelles petites peluches que j'ai eues hier.
À quelle occasion? Lors de la Saint-Valentin. Ouh, quel froid. Et oui! Oh, l'un en bleu, l'un en rouge. Oh, vous êtes trop mignons! Bon, éventuellement, j'en rachète. Hein. Parasol de carnaval. J'achète! Pourquoi est-ce que j'achète, me direz-vous? Mais parce qu'on avait vu qu'il suffisait d'une plume de couleur pour personnaliser dans une autre couleur. Or là, dans tous mes objets carnaval, je crois qu'il doit me manquer une couleur. Ça doit être en vert. Tu vois, si je voulais le faire... Si je voulais le faire, je vais juste montrer. Personnalisons un truc. Maintenant que j'ai des plumes bleues, rouges, violettes, vertes, en fait, le parasol, je pense que là, c'est bon. Ah non, c'est une plume irisée qu'il faut! Pour personnaliser. Oh, tu parles? J'ai pas envie tout de suite, alors. Bah, faudrait avoir le arc-en-ciel, quoi. Ah! Bon, bah, je vais prendre le temps, hein, de prendre mes plumes. Je vais quand même mettre des chaussures, c'est pas possible. Mais, Rosalie, regarde ta boîte aux lettres, je t'en ai envoyé. Tu m'as envoyé quoi? Aline et Rosalie, tu peux aussi attraper des plumes irisées. Ah oui, effectivement, si j'ai bien compris, les plumes irisées, par contre, elles sont plus rares. Ce serait bien qu'on arrive à en voir pendant ce let's play. Enfin, je pense que en une heure de jeu, on va forcément en voir. Et donc, soit t'arrives à en attraper, même si c'est rare, soit tu peux en fabriquer avec les plumes de toutes les couleurs. Donc, chaussures. Qu'est-ce qui irait bien? Des chaussures rouges qui fassent un peu festive. Bottes de mage. Non, non, non. Chaussons de danse, peut-être. C'est sympa. Ou spartiate. Les sandales de plage. Non, je crois que chaussons de danse, c'est pas mal. Ok. Ah bon, bah, je reste avec les couettes. C'est bon. Pepsinette, mais avant, il va falloir te laver les pieds. La magie de ce jeu fait qu'on est tout le temps propre. C'est vrai, c'est vrai. Alors, du coup, parasol de carnaval, c'est bon. Ça, je peux au moins entreposer un truc. Ah. Ok. Go, let's go! Pepsinette, je t'ai envoyé un lance-plume vert. C'est vrai? Oh, vous êtes trop chou! En vrai, il faudrait que j'ouvre le courrier, quoi. Mais peut-être que je vais le faire après avoir attrapé plus de plumes. Oh! Ok, donc on a vu qu'on avait du courrier à prendre. J'ai essayé d'attraper plus de plumes. J'ai vu qu'il fallait que j'ai au moins 3 plumes de chaque couleur. Quelque chose du style. Donc, ce serait bien qu'on fasse ça. Et y a-t-il un endroit où il est plus approprié de voir des plumes apparaître? J'avais l'impression que c'était plus vers mes champs de fleurs. Mais c'est peut-être juste une impression. Oh! Bon bah je confirme, ce n'est qu'une impression. Faut parcourir son île quoi. En long, en large et en travers. Donc une plume rouge. Des fois, il y a des morceaux de confettis, t'as l'impression que ce sont des plumes. Oh! Une plume verte. Oh! Mes objets de Saint-Valentin, ils m'embêtent. Ah! Oh. Et je trouve que les plumes, elles sont un peu multicolores. Hein. Genre là, ça va être marqué plume verte. Mais je trouve que c'est un dégradé jaune-orangé vers du vert un peu plus froid. C'est joli. Ouh! Hé, il y en a pas mal là. Je craignais que ce soit plus rare que ça. Ça va. Après, j'aurais pu parler un peu plus avec mes habitants tout à l'heure pour savoir à quel point ils étaient contents que ce soit la fête. Oh, une plume verte. J'ai attrapé une plume verte. Quelle couleur apaisante. Mais en fait, là, on a déjà tellement d'objets. On a l'impression d'avoir déjà vachement commencé à fêter le carnaval. Oh, plume verte.
tu as attrapé une plume verte. J'ai un peu envie de dire, c'est quand même pas tout à fait ce à quoi je m'attendais comme événement. Parce que là, au final, je me retrouve à attraper calmement. Enfin voilà, à prendre le temps plutôt, ce que je veux dire. Prendre le temps d'attraper des plumes. Alors que les précédents événements, j'ai l'impression de devoir aller à toute allure. Genre pour Thanksgiving. Oh, mais j'ai couru partout. Et pendant le let's play, mais à toute allure, il y avait plein de choses à faire. Oh! Et vous vous dispersez, les amis, c'est sur la place qu'il faut être. Combien j'ai de plumes, là, au final? Ah, bah, les plumes violettes, là, je commence à en avoir un petit surplus. Regarde si je les aligne. Plumes vertes. Oups. Plumes rouges et plumes bleues, j'en ai pas beaucoup. Bah tiens, puisque t'es là, je te parle. Kali. Coucou, j'adore voir tout le monde surexcité par le carnaval. Pas toi, ça va être du tonnerre. Réguler mon énergie avec un jogging matinal, il changera rien. Si tu transpires pas, faut y aller plus fort. Nadia. Rosaïs, c'est carnaval. The journée qui fait bouger toutes les cellules de notre corps. Ah bah c'est le même dialogue que tout à l'heure. Emma, tu veux que je te parle? Rosaïs, tu y crois toi? Carnaval est déjà revenu. C'est marrant parce que c'est pas le carnaval, c'est carnaval. Et maintenant que tu es là, la fête peut réellement commencer. Et maintenant que vous êtes réunis, on se fait une photo, hein, sans rire. On réussit la photo? Oui, s'il vous plaît, restez là, photo. Laissez-moi faire une... Viva! Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, juste que lui, il tirait un peu la tronche en me regardant, mais... C'est pas mal. C'est déjà une photo sympa. Ok. Et des papillons. Est-ce que sur la plage... Non, je crois pas que ce soit... J'ai l'impression que tout à l'heure, c'était ce qu'il y avait de mieux. Ah ! À côté de Didi. Tu as attrapé une plume rouge. Tu veux me parler, Didi? Ah, tu veux me lancer des confettis? Eh bien, le revoilà, le jour tant attendu, carnaval. Oh, pardonne-moi mon exubérance, c'est que j'aime tant cette fête, c'est l'occasion de danser. Ok. Oh, plume violette. On n'aura vraiment vu qu'une seule plume bleue depuis tout à l'heure. Tiens, j'avais dit, après le nouvel an chinois, j'allais enlever ça. Parce que bon, voilà. Le nouvel an est passé. Clara. Civette. Je pense que vers les maisons, c'est pas forcément le bon truc. On va se concentrer vers les champs. Ah, plume rouge. Mais tu peux échanger avec tes habitants, Rosalys. Reparle-leur juste. Ah ouais? Donc par exemple, Rosalie... Oh, pardon! Non, j'ai pas fait exprès. Rosalie. On ne bouge plus. Tu aurais pas une plume verte? Spoiler alert. Oui, tu en as une. Tu me la donneras en échange d'une plume violette, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, mais c'est plutôt une plume bleue que j'aurais voulu. Bon, attends. Si tu veux, on va essayer déjà comme ça. Youpi, youpi, et encore youpi. Vite, on échange tout de suite avant que tu changes d'avis. Plume violette, j'en ai plein. Verte, j'en ai pas tant que ça. Non, mais en fait, ce serait vraiment une bleue. Attends. Désolée si je change d'avis. Et si je te reparle, tu me proposerais une autre couleur? Bah dis donc, c'est vraiment une plume verte que tu veux. Bon, n'y compte pas. La pauvre, elle est choquée. Grisette. Tu ressens la vibe de carnaval? Une fois qu'elle te chope, elle te lâche plus la grappe. Pas le choix, faut se laisser emporter. Et t'inquiète d'avoir l'air niaise. Un carnaval, c'est permis, Rosalys. C'est marrant, la traduction française, ils ont pas vu, voulu mettre un article devant carnaval et ne pas transformer les A, le en O. Bref. Ouah, c'est vraiment une plume violette que t'as là? Cherche bidule partout, depuis des lustres, tu le troquerais contre une plume verte?
Ah, chacun veut une couleur et troque contre une autre couleur, si je comprends bien. Non, ça m'intéresse pas trop. Ah non. Oh, bah c'était court d'avance. T'en fais pas, Biquette. Je m'arrangerai autrement, Rosaïs. Ah, ça va, ça te choque pas trop, toi, parce que Rosalie, elle était choquée. Bon, je vais chercher quelqu'un qui échangerait contre des plumes bleues. On ne bûche plus. Tu aurais une plume bleue? Spoiler alert. Oui, tu en as une. Oui, mais attends, j'en ai qu'une seule. Tu me la donneras en échange d'une plume rouge, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, non, désolé. Je crois pas, non. Sniff, c'est les alliés du business. Je suis triste, mais je te comprends. À ta place, j'aurais fait pareil. Faut que je trouve absolument quelqu'un qui veuille m'échanger contre du bleu. Une plume verte. Contre une plume violette. Non. Ouah, gros revers, là. Et je l'ai pas vu venir. C'est pas grave, je vais continuer de chercher. Emma, je te sens bien. Désolée de te demander ça, oh, t'es beauté, mais tu n'aurais pas une plume rouge? Ça te dirait un échange standard contre une plume violette? Non. Oh, je savais bien que j'abusais de ta bonté. Désolée, si tu changes d'avis, préviens-moi. Clara. La star, c'est carnaval, the journée. Ok. On ne bouge plus. Tu aurais pas une plume bleue? Ah. Non. Ce serait pas par rapport à leur costume, par hasard. Genre Clara, elle voulait une plume bleue et elle est habillée en bleu. Si ma théorie est correcte, Didi aussi veut une plume bleue. Ah, c'est ça. Non, c'est l'inverse. Je n'ai pas assez de plumes bleues. C'est peut-être Yvette qui était sur la plage qui voudra bien m'échanger. Ah bah, il est plus là. Bon bah, c'est pas grave. On va continuer de chercher des plumes. À l'huile de coude, par soi-même. Oh, une plume irisée! Yes! Oh, est-ce que je peux la voir, là? Non! Mes buissons. Oh, oui! Yes! Ma première plume irisée! Waouh! Tu as attrapé une plume irisée. Vive le carnaval! Oh, ouais! Ma première plume irisée! Elle est là. Oh bah, la plume rouge. C'est vraiment la plume bleue que j'ai le moins. C'est dramatique. Bleu et irisée. Oh bah tiens, irisée, je vais la mettre là. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une plume là qui vole. Ah oui, verte. C'est quand même fou que personne ne veuille m'échanger une plume contre une plume bleue. Je suis en pénurie de plumes bleues. Elle m'a rendu la musique. T'es là, toi? Toi, t'as trouvé la scène de carnaval. Elle est trop mignonne. J'avais mis la musique samba. Ça fait très carnaval. Bon. Encore d'autres plumes. Zen, il trouve quelqu'un en violet. Bah, je veux bien, mais personne n'est... Bah, Grisette, là, elle est en violet, mais de mémoire, elle me proposait pas d'échange contre... Non, tu vois, elle me propose d'échanger du violet contre du vert. Moi, je voudrais échanger contre du bleu. Personne ne veut m'échanger contre du bleu. Une plume rouge. Ouais, ce que je trouve bien dans le jeu, c'est qu'à chaque fois qu'ils font un événement spécial, du coup, ils créent une musique. Tu me cours après. Merci pour les confettis. Donc ouais, ils créent une musique. Tout le monde s'habille. Oh là là. Là, il y a tous les chiens-chiens. Ils m'empêchent d'attraper. Ah, mais je veux pas jouer au jeu. Au jouet, je veux attraper la plume. Oui. Christophe Melville, peut-être les habitants qui sont chez eux. Ah, effectivement. Ah, une plume verte. C'est vrai que j'ai regardé que les habitants qui étaient dehors.
Tu as attrapé une plume verte. Là, je pense que j'ai quand même un bon pactole de plumes, hein, en dehors des plumes bleues. Oh, cadeau. Je sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant pendant l'événement. T-shirt matelot, tu parles? Je m'en fiche. Je suis en quête de plumes. Oh alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste chez lui pendant le carnaval? Ah oui. Ok, on va voir. Sylvette. Oh, ça bien. C'est pas une plume violette qui dépasse de ta poche? Trop bien, il me la faut. J'en ai besoin, question de vie ou mort. Je veux dire... Oh, oui. Tu avais raison, Christophe Melville. Oui, je te l'échange tout de suite. Je peux te débarrasser de cette plume mule contre une super plume bleue. Bonne idée. Sérieux, tu acceptes? Hourra, c'est mon jour de chance. Hé hé. Autant que tu veux, mon neveu. Ok, je récapépète. Je te donne deux de mes plumes bleues. En échange, tu me lâches deux de tes plumes violettes, c'est bon? Tout juste, ok. Cool, et je voulais en avoir trois. Hé hey. Je suis trop contente, genre, encore plus que d'habitude, tu assures grave, Rosalice. Ouais. Du coup, je me retrouve avec trois de chaque couleur et une irisée. Bon, avec ça, je vais pouvoir me fabriquer au moins trois irisées. Je pense que je suis bien là. Veux-tu me bricoler quelque chose? Au travail. Tazou, comment vas-tu Rosalie? Tu te dépasses trop avec les 4 vidéos. Haha, 4 fois certains jours. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, on va être à 3 sur cette chaîne et 1 sur ma chaîne principale. Effectivement. Ça fait 4. Ok, c'est bon. On va pouvoir fabriquer plein de plumes irisées. Mon objectif, c'est d'en avoir au moins 3 dans la poche. Bravo, tu as fabriqué une plume irisée. Bricoler autre chose. Bravo, tu as fabriqué une plume irisée. Ok. Il me semble que quand tu as 3 plumes identiques, ça fait un truc. Donc voici ce que j'ai en poche. J'ai plus de... 3 plumes vertes, plus de 3 plumes rouges, plus de 3 plumes violettes. Oh, plumes bleues, il manque un peu. Plumes irisées, j'en ai 3. Bon, déjà, je pense que là, c'est pas mal. Je vais retourner voir Roberto. Me manquerait juste des plumes bleues. Hé, j'ai l'impression que je viens d'en voir passer une au naturel, là. Oh, oui, une plume bleue. Ça se refuse pas. Ah, yes. Tu as attrapé une plume bleue tombée du ciel, elle en a la couleur. Hé hé! Ouh! Plein de plumes. Yo. Tu as attrapé une plume rouge. Oh, bah, je crois que je pourrais retourner direct et échanger avec une plume bleue, là. Parce que, attends, elle voulait 2 plumes violettes. Non, j'ai pas assez. Parce que je voulais garder 3 de chaque. Il me manquerait juste une plume bleue. Bon, on va déjà voir ce que ça donne, là. Didi. Merci. T'aurais pu me faire ça quand je voulais faire une photo. Hé, hey, les amis, vous vous réunissez? On se fait une vraie bonne photo, là? Ouais, viva! Oui, alors ça, c'est une jolie photo. Genre, même Clara est venue s'incruster. Enfin! Tout est bien qui finit bien. Ok. Tu viens à Roberto lui offrir les plumes qu'il a réclamées, n'est-ce pas? Ne réponds pas, Roberto sait. Léon, Léon, Léon! Roberto n'en croit pas ses mérites. Une plume irisée! Eh, j'en ai pas qu'une, j'en ai 3. Magnifique, grandiose! Il la faut à Roberto. Est-ce que tu la lui donnes? Bien entendu. Oui. Donne à Roberto, donne! Dis donc, tu parles d'une manière un peu... T'en veux juste une? Je croyais qu'il en fallait 3.
Ah, arc-en-ciel. Même l'écriture est arc-en-ciel. 1, 2, danse, Freddy, bouge au rythme de Roberto. 3, 4, copie les pas de Roberto. Vive le carnaval. Viva. Oh, c'est quoi ces projecteurs? Ah, voilà qui plaît à Roberto. Ça, c'est l'esprit du carnaval. Tu es bonne envers Roberto. Alors, Roberto sera bon envers toi. Il t'offre un canon, un confetti carnaval. Quoi? Tout ça pour ça? Qu'est-ce qui apparaît en premier? La plume ou le carnaval? Roberto s'en fiche. Il veut pas savoir. Roberto ne s'intéresse qu'à la danse et à obtenir des plumes. Toujours plus de plumes. Apporte-les à Roberto. Je sais pas pourquoi je pensais que j'aurais fini la quête ultime avec 3 plumes irisées. C'est quoi son canon? Bah... Ah, c'est un canon à confetti irisé. Oh. Ah d'accord, bah on va dire c'est la couleur ultime quoi là. Ok. Trop beau arc-en-ciel. Attends, je vois une autre plume là-bas. En fait, au début, je me suis dit... Je vais ne faire que chasser les plumes et tout lui apporter. Et comme ça, il me donne le cadeau ultime. Mais visiblement, il veut quand même faire ça étape par étape. On a vu qu'il y a un cadeau. Bon, rien qu'avec ce que j'ai là, tu devrais être content. Pourquoi parles-tu à Roberto avec des mots quand tu devrais laisser ton corps s'exprimer par la danse? Léon, Léon, Léon. Roberto, n'en crois pas ces mirettes, une plume irisée. Magnifique, grandiose. Il la faut à Roberto, est-ce que tu la lui donnes? Alors attends. Mais si tu veux des couleurs spécifiques, il faut lui donner 3 plumes de la même couleur, exemple rose. Tu auras un objet de la collection Rose Carnaval. Amélie. Donne-lui les plumes normales et après il te demandera les plumes irisées. Ouais, mais il me demande les plumes irisées pour exactement ça, là, pour fabriquer les objets carnaval. Alinéa, pour la quête ultime, il te faut obtenir tous les objets couleur arc-en-ciel. Oh! Ah oui! Donc il faut faire tout ça, quoi. Ok, bon, alors, bien entendu. Allons-y. Oui, donne à Roberto, donne! Je pense que je vais sauter l'étape donner les plumes de couleur. Parce que bon bah les objets de couleur, j'ai déjà un peu ce que je veux. Par contre, il me faut la collection irisée. Donc, je vais me concentrer sur la quête irisée. Jusqu'à obtenir la quête ultime. Arc-en-ciel! Carnaval! Je trouve qu'il a une voix trop bizarre. Ah, voilà qui plaît à Roberto. C'est ça, l'esprit de carnaval. Amélie, pas obligée, j'ai pas fait ça et moi je l'ai eu quand même. De quoi tu parles? Dans quel ordre? Roberto, blague, il t'offre une scène de carnaval. Ok. Esprit de carnaval, dans son toit. Continue ainsi, Roberto exige des plumes, encore plus de plumes. Ok, si tu veux, j'ai encore d'autres plumes. Enfin, j'ai une plume irisée encore. Bien entendu. C'est ma dernière plume irisée. Ah, arc-en-ciel. On se fait sa danse. Tudou. Arc-en-ciel. C'est ça, l'esprit de carnaval. Roberto est satisfait. Lampe ballon. Ok. Ta prochaine fois, je pense que je vais prendre une petite pastille. Je commence à avoir la voix. Je vais tenir bon, les amis. On va installer les nouveaux objets qu'on a eus. Et je crois bien qu'on est reparti pour chasser. Bon, pour le coup... J'ai fait un peu de place là. T'es gentil de me mettre des confettis. Alors attends. J'ai eu une lampe ballon. Et lampe ballon, je mets vers là. Lampe ballon arc-en-ciel. Et une scène. Scène de carnaval. Placée.
Waouh! Magnifique! Ok. On va continuer la chasse aux plumes. Je vais peut-être aussi regarder par curiosité les courriers que vous m'avez envoyés. Des fois que vous m'auriez envoyé des choses très utiles. Tiens, on va aller en sens décroissant. Une paire d'escarpins bride. Oh! C'est pour que je m'habille avec ça? Tu veux dire? Et attends, ouvrir. Porter. Oh! En blanc? Ou? Ah! C'est vrai, en blanc, c'est pas mal en fait. Oups! Mince! Je retrouve plus celui qui a la bonne couleur. Voilà. Ça va un peu avec le bas de la jupe. Et ça fait festif, c'est vrai. Snotra Lune, Lune. De quoi compléter la collection Carnaval. Oh, merci. Depuis le passé, Snotra Lune. Pourquoi depuis le passé? Joyeux Carnaval. Oh, merci. Parasol de Carnaval. Plume irisée. C'est trop chou, merci. Oh là là. Et je m'étais dit à tout hasard, peut-être que vous m'auriez envoyé des choses utiles, mais je m'attendais pas en vrai. Bonnet pour avoir une tête de kiwi. Petit sac à main rose qui peut aller comme un gant. Oh, merci. Pika, je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Un bouquet en forme de cœur. Oh, merci. Attends, je crois que là, j'ai vraiment plus de place dans les poches. Hongbao. Ah, c'est tout pour le nouvel an. Sauf que j'ai repris le jeu après le nouvel an chinois. Ah oui, tu voulais la boîte nostalgie. Je m'occuperai de tout à l'heure. Sombrer dans la guimauve. De quoi tu parles, Grisette? Ok. Voilà. Ouvrir. Oups, ouvrir. Merci beaucoup pour la plume irisée et du coup pour les objets carnaval. Qu'on va les poser aussi du coup. Je me demande quelle couleur ça va être. Plume rouge, ça se refuse pas. Ah quoique, autant que je donne tout de suite la plume irisée de Gwenoline, comme ça on peut installer aussi un nouvel objet. Bien entendu. Oh non, je veux non. J'ai un truc à te donner. Bien entendu. Plumérisé. Ah, arc-en-ciel. Vive le carnaval. Ta-da-da. Plein de plumes irisées dans le ciel. Voilà qui plaît à Roberto, c'est ça l'esprit de carnaval. Bravo, en récompense, Roberto t'offre toute sa gratitude. Roberto blague, il t'offre un stand de carnaval. Esprit de carnaval, danse sans toi, continue ainsi, Roberto exige des plumes, encore plus de plumes. Okidoki. Ah, tu l'aimes la scène, hein. Alors, nous avons donc un nouveau stand de carnaval irisé. Oups, il est où le stand? Là. Yes. Nous manquera encore la guirlande irisée. Les lampes. Ah, oh, ça fait beaucoup d'objets, hein. Parasol de carnaval. Oh, en bleu. Du coup, c'est par là-bas. Attends, pour l'instant, ce qui est de l'autre couleur, je vais mettre là. Ensuite, nous avons parasol de carnaval. Pas assez de place. Oh, le parasol irisé. Que du coup, je vais mettre juste à côté de là. Tu te décales.
Pourquoi tu veux pas? Voilà, si on veut faire exactement... Ah non, c'est collé, faut que je le colle. Ok. Ouais, on complète de plus en plus. Me manque du coup le tambour, la petite lampe et la guirlande irisée. C'est tout. Pour ce qui est des objets irisés. Chasse à la plume. Sachant que là, je suis comme ça... Si je voulais refabriquer, je peux refabriquer deux objets irisés. Oh, je peux refabriquer deux plumes irisées, pardon. Bon, si ça se trouve, je suis pas mal. Oh, une plume bleue! Ça se refuse pas. Je vais aller dans sur cet établi de bricolage-là. Au travail! Bricoler autre chose. Gwénoline, je voulais t'envoyer d'autres plumes, mais je savais pas qu'on avait le droit qu'à 2 courriers par jour. Merci, c'est gentil. Déjà rien que l'intention, c'est mignon. Et tu as tout de suite vu que ta plume, j'en ai fait très bon usage. Bon là, je pense que c'est bien là. As-tu apporté ces plumes à Roberto? Léon, Léon, Léon! Roberto, n'en crois pas, c'est Mirette, une plume irisée. Pourquoi tu dis Léon? Oui, donne à Roberto, donne! Ok. Ah! Arc-en-ciel! Vive le carnaval! Ta-da-dum. Là, t'as envie d'attraper toutes les plumes irisées. C'est ça, l'esprit de carnaval. Tu es bonne envers Roberto. Un drapeau de carnaval. Ah mais c'est vrai, je n'avais pas le drapeau irisé. Allez go, j'ai une deuxième plume. Bien entendu. Oh, il est 15h. Bon, j'avais prévenu, avant d'ouvrir mes portes, je voulais quand même réussir à jouer à fond pour le carnaval. Donc le prochain live, ça va pas être à 15h pile, ça va être quand on peut. Hein. Un tout petit peu de patience, j'y suis presque. Parasol de carnaval, quoi? Mais, je l'ai déjà le parasol de carnaval. Ou alors ça sert à rien peut-être de lui... J'allais dire, si ça se trouve, ça sert à rien de lui faire faire exactement un objet irisé, vu qu'après on peut le personnaliser de la couleur qu'on veut. Oups. Donc il m'a donné quoi? Il m'a donné un drapeau. Ah mais si, le drapeau irisé, je l'avais pas. Oh! J'ai pas assez de place. Ou alors, ah si, il faudrait que je décale tout, là. Et il y a une plume. Si je veux garder la symétrie. J'ai attrapé une plume rouge. Comment je fais? Non, mon sol. Motif. Décidément, Rosalie, elle adore être là. Hein. Donc, je voulais récupérer ça. Poser celui qui est irisé. Voilà. Pour le coup, mon drapeau rose... C'est tout décalé! Oh non, c'est pas vrai! Non, drapeau. Drapeau.
Drapeau, où est-ce qu'il est? Ok. Mon sol! Non! Appliqué au sol. Ok. J'ai cru voir une plume bleue tout à l'heure. Ah, elle est là. Bah pour le coup, là, il y a certains objets que j'ai en double. Je vais peut-être changer leur couleur après. Donc, faisons le point. Qu'est-ce que j'ai en double exactement de la même couleur? Ça. Le parasol et... Ah bah c'est tout. Voilà. Parce que c'est quand même pas évident d'obtenir les plumes irisées. En même temps, pour personnaliser, il me faut des plumes irisées. Qu'est-ce que j'ai maintenant dans la poche? Bah j'ai toutes les couleurs à nouveau. Ce qui fait que je peux refaire des plumes irisées. Je peux refaire deux plumes irisées. Au travail! Tu vas fabriquer une plume irisée. De toute façon, je pense que c'est le truc important, quoi, la plume irisée. Je crois que je vais essayer d'en avoir un maximum. Oh, une plume rouge. Et oui, les copines, vous avez remarqué, c'est le deuxième endroit où il faut être. T'as la place principale et ici. Oh, ballon. Oh, c'est pas grave. On est à fond. Roberto. Qu'est-ce que tu vas me donner maintenant? Bien entendu. Plumériser. Arc-en-ciel. Carnaval. Qu'est-ce que tu m'offres? Une lampe carnaval. Ah ouais, c'est chouette. Il me manquait la lampe. Et j'ai encore une plume. Bien entendu. Plumériser. Ah, 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 arc-en-ciel. Vive le carnaval. Alors? Roberto satisfait. Une guirlande de carnaval. Eh, hey, c'est bien. C'était les deux objets qui me manquaient, je crois. Roberto ne demande pas plus de plumes. Roberto exige plus de plumes pour le carnaval. Carnaval, pardon. Pardon, attention, je veux pas te donner un coup sur la tête. Ok. Qui m'aime me suive? Alors, la guirlande irisée. Par ici. Yes. Attends, il y a une plume qui me nargue ici, là. Ah! Laisse-toi attraper, oui. Wouhou! Et la lampe, que du coup je vais placer là. Ah non, il manque encore le tambour irisé. Lampe de carnaval, placée. Ok. Et en termes de plumes, j'ai plus aucune plume bleue. Bon, de toute façon, je crois qu'il faut repartir à la chasse. C'est long quand même, hein. C'est... Oh, une plume bleue, oui.
Oui. Déjà là, je peux me fabriquer une nouvelle plume, une nouvelle plume irisée. Mmh. Quelle couleur apaisante. Je me demande si juste avec une plume irisée, il sera content, là. Ou est-ce qu'il en veut encore? Oh! Cette plume est coincée entre deux bâtiments. Oups. Yes! On va continuer d'en attraper sur le chemin. Au travail! Au travail! Parmi vous, est-ce que certains d'entre vous ont fait l'événement et ont réussi à avoir le grand char de carnaval? Et si oui, au bout de combien de plumes? Ou combien de temps? Ah! Plume bleue! Yes! J'en reviens pas comment. Au tout début, j'avais aucune plume bleue et là maintenant, ça va. Alors, ok. Oh, bah ça y est, je peux à nouveau me fabriquer une autre plume bleue, irisée. Veux-tu bricoler quelque chose? Au travail. Ok. Mais c'est fou quoi, maintenant c'est... C'est comme si la plume bleue était super rare pendant, genre, je sais pas, ma première demi-heure de jeu, et là maintenant, easy peasy. Alors, Brigitte, oui, au bout de 7 plumes de couleur x3, je l'ai eu. Ah! Et Alinia, oui, moi j'ai eu le char 3 fois. Ah bah, rien que ça. Dame Steam Patate, pour info, il faut donner 9 fois 3 plumes de couleur et 3 plus multicolores et ensuite il vous donnera le char. Oh. Voilà qui plaît à Roberto. Valentin, oui, moi j'ai tout eu après avoir eu tous les meubles couleur arc-en-ciel. Ah bah, je suis sur le même chemin. Tu as apporté plein de belles plumes à Roberto, bravo, mais Roberto a encore une mission pour toi. Ah, dialogue différent. Tu vas apporter à Roberto 3 plumes irisées. En échange, Roberto t'offrira le grand prix spécial de carnaval. Alors va, danse, cours, vole. C'est ça. Et moi, je croyais au début qu'il me suffirait juste de 3 plumes irisées. Et hop, basta, c'est bon. Tout est fini et voilà. Mais c'est bien, ça fait un peu plus de challenge. Sinon, t'imagines, le let's play, j'aurais fini en même pas un quart d'heure. On va aussi poser dans l'espace carnaval le dernier objet irisé que je viens d'avoir. Tambour carnaval. Tada! Et voici la collection irisée. Tiens, vas-y, à Rosalie, je sais que t'as envie d'y aller. Ok, donc maintenant, pour me faire une autre plume irisée, il m'en faut 3. Tiens, il me manque... J'ai plus aucune plume verte. Ouh! Parti. À la chasse à la plume. Oh, une plume irisée directe. Oui. Waouh. Tu as attrapé une plume irisée. Vive le carnaval. Yes. On est bien là. Et une plume verte. Ce qui fait que je vais tout de suite pouvoir fabriquer une autre plume irisée. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Yes! Oh, un ballon vert. Oh, des fois que ce soit quelque chose de bien. Ouvrir.
Un mur flocon. Oh bah, dis donc, je l'avais pas. Faut dire, je me suis vraiment désintéressée de tout ce qui était arctique. Attends, plutôt que d'aller là-haut, je vais aller là. Plan saisonnier, voilà, un mur avec des flocons de neige. Merci, merci. YouTube récolte quelque chose. Au travail. Plumériser. Ta ta la ta 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 la ta ta. Alinea, en gros, c'est au moins 4 heures de jeu pour avoir 3 fois le char. Amélie, j'ai cassé 3 filets avec les plumes, mort de rire. Vous êtes tenace hein, dans le live chat. Vous jouez bien. Ok, donc ici dans la poche, on a 3 plumes irisées. On est d'accord. C'est parti pour l'ultime objet. Tu as porté 3 plumes irisées. Roberto sent que ses hanches frétillent. Tu attends quoi? Donne à Roberto, tu donnes. Bien entendu. Léon, Léon. Irisation max. Et ça fait formule Sailor Moon, ça. Irisation. Yeah! Danse, bouge, avec Roberto, saute, cha-cha-cha pour Roberto, vive le carnaval! Ah, je sais pourquoi je pense à ça, irisation, c'est... Kaléidoscope lunaire! Encore une fois, nord, sud, est, ouest, Roberto, danse, en avant, en arrière! Vive le carnaval! Samba! Wouah! J'ai pas eu le temps de faire la capture là. Parfait. Les plumes que tu as fournies à Roberto lui ont inspiré la plus belle danse de sa vie. C'était joli avec les lasers en plus des plumes. Tu as bien mérité la plus exclusive des récompenses. Roberto te remet le char de carnaval. Wouah. Il n'est pas aussi magnifique que Roberto, mais il incarne l'essence de carnaval. Vive le carnaval. Mais, ah, mais Roberto veut encore plus de plumes. C'est la mission sacrée de Roberto. Mais d'abord, Roberto va danser. Danse avec lui. Oui, danse et apporte encore plus de plumes à Roberto. Si tu veux encore plus de cadeaux de Roberto. Waouh. Où va-t-on poser le char? On va déjà voir à quoi ça ressemble. Char de carnaval, placé. Waouh. C'est énorme. Ça donnerait envie d'enlever... des trucs là de la mairie, de le poser derrière pour pouvoir faire une photo avec lui. Mais... Oh Marc, c'est pas idiot hein, regarde si je me mets comme ça et que je fais une photo, on voit le char. Mais il est tout petit. J'hésite entre... Bah genre laisser le char là. Ah! À cause du buisson je peux... En fait, je pense à tout à l'heure, là, quand je vais faire la porte ouverte, on pourrait faire une photo avec lui et le char. Ou alors, je mets l'objet avec les décos, là, ici. Genre, ah, je sais pas si... Est-ce qu'il va accepter de le mettre, genre, par là? Non, pas cette place. Ça va être forcément vers là. Char. Mais c'est un peu caché partout, quoi. Oh. Je crois que je vais l'en mettre vers tout à l'heure. C'est le mieux. Vous êtes contentes les filles, hein? Et le live fait pile 1 heure. 1h04. Bon, en fait, en 1 heure, j'aurais fait tout ce qu'il fallait. Oh! On voit l'arrière du char. Il est beau. Oh, il s'allume! Il bouge! Il tourne la tête et bouge l'arrière. Attends, je veux te pivoter. Et il fait de la musique. C'est un char très évolué. Alors attends, je voudrais te placer comme tout à l'heure, c'était bien. Mais... Attends, sinon je vais enlever un coin. Des fois que ça gêne vraiment, mais tout à l'heure ça avait pu marcher.
Alinéa, il est trop beau ce char, il faut le mettre en route. Yes, effectivement. Il marche pas, hein. Enfin, je veux dire, il roule pas. Char de carnaval, placé. Ah, voilà. Wouah. Et il tourne la tête tout le temps vers la droite? Ah non, vers nous aussi. Oh! Hé, les animaux, venez par là! On se fait une photo ici! Ce serait bien quoi. Emma, tu veux pas venir? Emma! Oui, oui! Emma, viens là! Quoique pour voir et le char et Roberto. Est-ce que la photo serait pas un peu lointaine? Attends, on va essayer. Viva! Emma, t'es un peu loin, hein. Je me sens seule. Tu veux pas venir, Emma? Eh oh! Oui, oui! Oui, oui! Oui, oui! Ah, oui, viens! Oh, mais elle est cachée! T'es une coquine, hein? Bon, on va dire que déjà, les photos que j'ai prises sont pas mal. Ok! Mais Sakura, j'espère que cet épisode de Let's Play Carnaval vous a plu. On se retrouve tout de suite pour un nouveau live. On enchaîne direct. Ou cette fois-ci, je vais ouvrir mes portes. Et mettez vos tenues carnaval. Comme ça, on va bien s'amuser et prendre des jolies photos ensemble. Ah, attends, tu veux faire une photo avec moi? Viva. Tu. J'ai un peu zoomé. Tu. C'est pas mal. Oh, attends, le chat revient. Il me fait des trucs qui brillent. Bon, dans l'eau, j'ai des photos pas mal. Hein. Ok, on enchaîne tout de suite. Je mets le générique et je lance le prochain live, ok? Munissez-vous de vos Switch. A tout de suite.